Bonjour, dans cette séquence vidéo, nous allons traiter un, un exercice qui nous demande de convertir un, un nombre anti écrit en décimal vers le système binaire. Dans cet exercice, la question c'est comme suit. Écrire un algorithme, puis traduire cet algorithme en programme Pascal, qui permet de convertir un nombre anti écrit en décimal vers le système binaire. Donc le programme, lorsqu'on l'exécute, ça va se dérouler comme suit. Donc il y a un message qui invite l'utilisateur d'introduire un nombre entier, donner un nombre entier. L'utilisateur va saisir euh, une valeur, par exemple ici 13, et il va valider par entrée. Par la suite, le programme affiche la valeur saisie, 13 en décimal égale, égale par exemple ici, 1101 1, 1 en binaire. Donc, euh, la première étape avant de réaliser l'algorithme, ou bien la première étape dans la réalisation de l'algorithme, c'est de savoir quelles sont les variables de l'algorithme. Et dans à partir de ces variables, il faut savoir aussi quelles sont les variables d'entrée, quelles sont les variables sorties sortie, et le reste, c'est les variables de traitement. Donc, pour cela, on réalise le schéma suivant. Un algorithme est schématisé par variables d'entrée, traitement, variables de sortie, et éventuellement une liste de variables de traitement, ou bien les variables intermédiaires. Donc, si on prend exercice, cet exercice, si on fait une petite analyse, nous avons une varia variable entière. Donc, cette variable entière, elle doit être stockée dans une variable entière. Donc, on va supposer que c'est n. Donc, nous avons n, il est entier, c'est une variable entière. Bien sûr, et naturellement, elle est écrite en décimale. Par la suite, on va commencer à faire, à faire, la, à faire le, la partie traitement. Donc, dans la partie traitement, qu'est-ce qu'il faut faire il faut faire les divisions successives euclidiennes de n par 2. De, 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 les divisions euclidiennes successives par 2. Et on, on s'intéresse aux quotients ainsi que reste restes de division. Qu'est-ce qu'il faut faire Donc, en termes de traitement, ici nous avons n. Et ce que nous voulons atteindre ici, c'est un résultat. On va savoir c'est quoi le résultat exactement en analysant la partie traitement. Le résultat, c'est quoi C'est la, la, la succession des restes de division. Euclidienne, R0, R1 jusqu'à Rn. Je m'exprime mieux en montrant euh, les divisions euclidiennes. Donc on va réaliser la première division euclidienne, n sur 2. On trouve un quotient naturel, Q0, et un reste de division R0. Bien sûr, R0, il est supérieur ou égal à 0 et inférieur strictement à, à, à 2. Donc c'est soit 0, soit 1. Par la suite, on va réaliser la même division, mais cette fois-ci... Cette fois-ci, c'est Q0 qui sera divisé par 2. On divise Q2, Q0 par 2. On va trouver un autre quotient qu'on va nommer Q1 et un reste de division R1. La même chose. On va réaliser la même chose. On va diviser Q1 par 2. Par On va trouver un autre quotient, un troisième quotient Q2 et un troisième reste de division R2. On continue cette division jusqu'à avoir un quotient, par exemple ici, Q, on va, on va faire petit m, qui est égale, qui égal à 0, pardon, Donc on va trouver un Qm qui est égal à 0, et, et un reste de division Rm, bien sûr. Donc, c'est quoi le résultat dans ce cas-là Le résultat, c'est quoi Le résultat, c'est la concaténation la des, euh, des restes des divisions. Donc, la concaténation, c'est le fait d'écrire les valeurs une après l'autre. Donc, c'est R0. R0, c'est à droite. Suivi, à partir de la, donc, vers la gauche, R1. Ensuite, R2. Jusqu'à Rn-1. Et à la fin Rn. Donc ça, c'est euh, le résultat. Donc ça, c'est écrit en binaire. Pourquoi il est en binaire Puisque toutes les RI, i allant de 0 jusqu'à n, sont compris entre 0 et 1. Supérieur ou égal à 0 et strictement inférieur à 2, puisque c'est des restes de division. Donc ça c'est en nombre binaire. On écrit comme suit en nombre binaire. Pardon. Je vais faire l'indice. Voilà. Donc comment réaliser ça en algorithmique donc, bien sûr, on, on va réaliser toutes les divisions. Donc, euh, ici, nous savons c'est quoi les variables d'entrée. Les variables de sortie, c'est résultat. C'est une concatination. La concatination des restes. Je vais agrandir. C'est la concatination, pardon, des restes des divisions. Donc la des restes de euh, des restes des divisions ri, on les appelle les ri, et allant de 0 jusqu'à 1. Maintenant la partie traitement. Comment réaliser la partie traitement Donc et, et en, en savant comment traduire euh, cette analyse en algorithmique, on va savoir quelles sont les variables de traitement qu'on doit ajouter. Donc l'idée ici, c'est quoi C'est de faire un traitement itératif. Ça, fait, ça veut dire quoi Un traitement itératif. Un traitement itératif, ça veut dire qu'il y a une boucle. On va utiliser, on va utiliser une boucle. Donc l'idée ici, c'est quoi C'est de déclarer... On ne va pas déclarer toutes les Ri et toutes les Qi. Tout simplement, on ne connaît pas leur nombre, combien de Ri il y a et combien de Qi. Et, et comment on va faire par la suite on va, on va déclarer un seul R et un seul Q. Donc on va faire Q reçoit 1, on va commencer par Q égale à 1 puisque la première division c'est 1 sur 2 et on va dire que on va répéter ce traitement tant que Q est différent de 0 donc tant que Q est différent de 0 tant que Q est différent de 0 qu'est-ce qu'on va faire On va faire quoi On va faire ceci on calcule le reste de division On calcule le race-division. Ici, je vais ajouter un slash. Donc, c'est quoi le race-division C'est Q, Q mode 2. Ensuite, on calcule la nouvelle valeur de Q. La nouvelle valeur de Q, pardon. La nouvelle valeur de Q, c'est quoi C'est Q, Q div 2. Ça veut dire quoi Ça veut dire Q, ça devient Q0 ici. Q0, c'est lui Q. Donc Q sur 2, on va trouver un autre Q, c'est Q1. Mais avant de réaliser cette division, il faut d'abord calculer le mode. On, par la suite, on calcule le reste de division. Donc, on va répéter ce traitement. Premièrement, ici, on ne va pas perdre la valeur de N, puisqu'on a, on a sauvegardé de, donc Q. C'est Q qui va être varié. Donc, fait un temps que. Voilà le traitement qu'il faut, euh, qu faut répéter. Donc, avant de faire fin ton Q, qu'est-ce qu'il faut faire Te R trouver, puisqu'on va, va perdre la valeur de R dans la prochaine itération. Te R trouver, on va le concaténer avec le résultat. Donc, résultat, reçoit, on peut dire reçoit, euh, R, c'est euh, R plus résultat. On va voir pourquoi R plus résultat, ce n'est pas résultat plus R. Ici, le plus, ce n'est pas une addition, c'est la concaténation. Donc, je vais faire concaténer. En pascal, la concaténation c'est plus. Donc voilà. Donc c'est ça l'idée de réalisation de traitement. Maintenant, pour voir le déroulement de l'algorithme, on va traduire cet algorithme en pascal. Avant de traduire ça en pascal, puisque ça c'est un pseudo-algorithme, c'est un pseudo-algorithme, on va écrire un algorithme euh, euh, de façon uniforme, de façon, euh, en suivant les règles, les règles d'écriture d'algorithme. Par la suite, on passe au programme pascal. Donc ici, les variables de traitement, c'est R, la variable R, et la variable Q. Donc nous avons deux variables de traitement, c'est R et Q. Je vais changer l'orientation du texte. Voilà, comme ça, pour que ça devienne plus clair. Voilà. Donc ici c'est le schéma de notre algorithme. Nous avons euh, une variable d'entrée c'est n, une variable sortie c'est résultat, en réalité c'est une chaîne de caractères dans laquelle on va mettre les caractères R0, R1 jusqu'à Rn. Par la suite, euh, nous avons deux variables euh, entières euh, R et Q dans lesquelles euh, qu'on euh, 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 qu va utiliser pardon, dans la partie traitement. Donc pour faire l'algorithme euh, de façon plus, euh, plus euh, uniforme. Et plus naturel, on va suivre le modèle que nous avons utilisé euh, en cours. Donc en, ici, c'est la partie variable. Donc qu'est-ce que nous avons comme variable Nous avons notre variable n, Q et R, ça c'est des entiers. Et euh, nous avons euh, résultat qu'on va déclarer comme étant chaîne de caractère. Puisque c'est une concaténation de valeurs. chaîne caractère. Voilà. Chaîne caractère. On peut faire comme ça. Donc la première chose, on doit donner la valeur à n. C'est la première chose qu'il faut faire. Par la suite, on commence notre algorithme. Donc résultat initialisé, la chaîne de caractère initialisée à la chaîne vide. Par la suite, euh, on initialise q euh, à la valeur de n. Par la suite, on fait l'algorithme, on fait la boucle. Pardon, tant que q est différent de 0, faire. Qu'est-ce qu'on fait Pardon. Donc ici, euh, voilà. Qu'est-ce qu'on fait Ici, je vais faire les mots réservés en quelque sorte du l'algorithmique, les mots spéci spéciaux en algorithmique. Qu'est-ce qu'on fait on, on va tout d'abord calculer le reste division r reçoit euh, Q euh, div, pardon, mode 2, c'est le reste division mode 2. Par la suite, on calcule la nouvelle valeur de Q, c'est Q div2, et fin temps que Bien sûr, avant de faire fin ton que il faut conserver la valeur de R dans la variable chaîne de caractère. Comment c'est euh, résultat, la chaîne de caractère résultat reçoit euh, R concaténé, on va faire plus résultat. Puisque tout R trouvé, le premier R il doit être à gauche. Donc résultat est une chaîne vide, donc ça va devenir le premier, c'est R0. Par la suite, R1, ça vient R0 par la suite. Après R2, R1, R0, et ainsi de suite pour, pour trouver ce, 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 cette figure-là. Donc c'est pour cela, c'est R plus résultat. Ici, une fois terminé, on va afficher écrire. Résultat. Donc ici on a algorithmique. Si on veut respecter ce qu'il a demandé au niveau de la question, on doit ajouter un message pour donner un nombre entier. Ce message là. Alors, ici, avant de faire lire, il faut faire écrire. Pardon. Écrire. Donner. Une, une, un, un nombre entier. Voilà, ça c'est écrire, ça c'est pour en les entrées, les sorties, on va faire aussi un message. Donc la valeur n ici, virgule, la chaîne de caractères en décimal égale, en décimal égale, coller, pardon, je ne l'ai pas mis entre les guillemets, en décimal égale. Bien sûr, euh, en binaire. Bien sûr, ici, ce n'est pas ça qui est égal en binaire. Ce n'est pas la, cette valeur-là. À la fin, je vais corriger. Je vais montrer tout l'algorithme pour que ça devienne plus clair. Elle, elle devient visible. Pour, euh, et à la fin, c'est fin de l'algorithme. Donc, ici, ce n'est pas, pas cette valeur. Cette valeur, c'est juste un exemple. Donc, on va remplacer celle-là en fermant, après, en réouvrant la chaîne de caractères. Entre deux parenthèses, on va écrire résultat ici. La variable résultat. C'est le contenu de résultat. Donc voilà l'algorithme. Donc ici, euh, je vais réduire. Je réponds, pour que ça devienne plus clair. Voilà. Donc voilà l'algorithme de façon uniforme. Pour être plus, euh, plus commode, euh, c'est juste pour montrer les chaînes de caractère. Quelque chose qui est en chaîne de caractère. C'est juste pour être plus conforme. OK. Donc ici, je vais les faire. En bleu, les chaînes de caractères en bleu. Je vais faire bleu foncé. Très bien. Par la suite, je vais, je vais copier le style et le faire pour les chaînes de caractères. Uniquement les chaînes de caractères qui seront écrits en bleu. Les chaînes de caractères, c'est ce, ce que, sont écrits entre, euh, entre euh, les apostrophes simples. La touche 4 de alpha, de pavé numérique, de, 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 de la partie, la touche 4 de la partie alpha numérique. Alors, très bien. Donc ici, il y a un, un, petit, un petit souci, c'est par rapport à R. R, ce n'est pas une chaîne de caractères. R, c'est un... Euh, c'est un entier. Donc, et résultat c'est une chaîne de caractères. Donc, pour réaliser la concaténation en, entre chaînes de caractères, il faut convertir R en chaîne de caractères. Donc, ici, on a vu dans la séquence précédente comment convertir euh, d'une chaîne de caractères vers un nombre et d'un nombre vers une chaîne de caractères. Donc, ici, il faut, il faut réaliser l'appel à une procédure spéciale qui permet de réaliser ce, ce traitement, c'est la conversion. Donc, ici, en Pascal, je, euh, en algorithmique, je vais faire convertir, convertir R. Donc, c'est une procédure r Il va convertir vers une, une autre variable qu'on va nommer SR ou bien STRR. Donc, c'est quoi STRR C'est la chaîne de caractère qui est associée à la valeur de R. Et, et ici, on va corriger cette concaténation. On ne concatine pas un en entier une chaîne de caractère, on concatine entre deux chaînes de caractère. Donc, STRR, c'est une chaîne de caractère et résultat, c'est une chaîne de caractère. Donc, on ajoute aussi qu'en variable de traitement, ici, on ajoute une autre, une autre chaîne de caractère. C'est STRR. C'est la forme. Donc voilà l'algorithme plus corrigé. Donc j'espère bien que c'est clair pour l'algorithme. Maintenant, qu'est-ce qu'on va, va, euh, va, va faire On va faire. On ne va pas dérouler. On ne va pas faire le déroulement euh, de l'algorithme. On, on va essayer de, de montrer ça en Pascal. Donc de traduire cet algorithme en Pascal. Donc je vais, je vais ouvrir l'éditeur de Pascal. Très bien. Donc je vais créer un nouveau programme. Voilà, très bien. Donc, euh, par la suite, je vais faire euh, save as, je vais l'enregistrer dans, dans exemple et je vais nommer le programme euh, décimal-8-10-8 binaire. Donc, on va traduire. Donc, euh, une petite erreur que j'avais réalisée ici dans l'algorithme, c'est de ne pas écrire le nom de l'algorithme. Je vais faire décimal-binaire. Décimal Éviter d'utiliser les accents. Dans l'algorithmique, pas de problème, puisque c'est un algorithme, mais en Pascal, il ne faut pas utiliser les, 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 les caractères accentués. Donc, décimal sans accent, ici, binaire. point virgule. La bibliothèque, le fichier de bibliothèque ou une CRT, les fichiers unités, donc elle est indispensable pour l'exécution. Donc, save, euh, begin, end. Donc ça, c'est la structure minimale du programme. Donc la structure minimale du programme, elle est correcte normalement. Je compile, il n'y a pas d'erreur. Donc, euh, sans rien ajouter. On va commencer par la partie, la partie variable. Donc les variables, qu'est-ce que nous avons Nous avons n, virgule, je vais écrire en majuscule, Q, R, c'est des entiers. Et nous avons deux chaînes de caractères, c'est résultat, ainsi que euh, str, R, c'est la chaîne de caractères de R, c'est chaîne de caractères. Je vais faire euh, F9 pour tester. Très bien, pour le moment, il n'y a pas d'erreur. Maintenant, on va convertir les parties, euh, la partie des entrées. Donc, je vais commenter un peu le programme. Ça, c'est l'entête. Ça, c'est l'entête. Ça, c'est les, les déclarations partie déclaration ici uniquement les variables donc on peut ajouter les constantes on peut rajouter etc selon selon le problème traité et ça c'est euh, le corps c'est la partie instruction c'est le corps très bien par la suite on va passer au programme. Donc, en général, le programme, il est, il, est, il est divisé aussi en trois parties. La partie euh, entrée, la partie corps, et la partie traitement, ainsi que la partie euh, sortie, les résultats, la partie affichage. Donc, les entrées, c'est la lecture. Donc, euh, donc euh, en général, chaque lecture, par exemple, ici, nous avons ainsi un, une variable d'entrée. On va ajouter un message. Comme demandé dans de l'exercice, si on revient à l'exercice, il vous demande de faire un message, donner un nombre entier. Donc on doit faire ce message-là. Je vais faire copier. Donc write. Donner un nombre entier 1. Donc la partie traitement, on va traduire ce que nous avons réalisé dans la partie analyse. Donc on va traduire ceci. Donc on va commencer par les initialisations. On va initialiser résultat à la chaîne caractère vide. On va initialiser euh, Q à la valeur de n qui a été saisie. Ensuite, on va faire la boucle while. Tant que euh, Q est différent de 0, do begin, puisqu'il y a deux instructions, il y a plusieurs instructions à l'intérieur. La première instruction, c'est euh, le reste de division. Reçoit euh, Q mode euh, 2 et Q reçoit Q div 2. Par la suite, on va concaténer. Tout d'abord, il faut convertir avec la procédure STR la valeur de R vers STRR. Ensuite, on va faire résultat reçoit résultat euh, plus STRR. C'est STRR plus résultat. On va voir la différence après. On va ici d'inverser, voir l'affichage. À la fin, on va afficher, comme indiqué aussi dans, dans, euh, comme indiqué dans, dans la partie euh, pardon dans l'énoncé de l'exercice on va afficher comme suit comme chaîne de caractère write, pardon shift insérer donc ici 13 c'est la valeur de n qu'on va remplacer la valeur de n qui a été saisie par l'utilisateur en décimal égale résultat en binaire voilà c'est la traduction du programme je vais faire file save pour éviter de perdre le programme s'il y a une erreur beaucoup plus une erreur de boucle infinie normalement ça c'est correct donc je compile s'il n'y a pas d'erreur très bien il n'y a pas d'erreur donc je vais euh, je vais réduire un peu l'écriture pour que le programme soit visible voilà j'espère bien que le programme que le programme soit visible il peut être visualisé sur l'écran À peu près. donc je vais essayer de supprimer les lignes ces lignes là ça permet de aérer le programme mais il y a les il y a les, la partie commentaire qui permet de, de séparer les parties du programme. Voilà. Donc on exécute sans, sans tarder, on exécute pour voir comment ça va être. Voilà la partie. Euh, je vais réduire plus. J'espère bien que ce sera visible pour vous. Donc je vais essayer de partager euh, le code, euh, le code euh, du programme. Euh, sur un lien qui, qui sera mis dans la partie commentaire de, de la vidéo. Donc je vais euh, sauvegarder, euh, ça c'est ouvrir, pardon, je vais sauvegarder et je vais exécuter. CTRL F9, on va, donner, on va commencer par le cas de l'exemple donné dans, dans l'énoncé de l'exercice, c'est 13, on va, on va commencer par 13. Il vous affiche 13 égale à 1, 1, 0, 1, c'est très bien, c'est 8 plus 4, 12 plus 1, c'est 13. On va donner par exemple un autre, une autre valeur, on va donner par exemple 1024. 1024. 1024 c'est euh, 2 à la puissance 10. Ça veut dire 1 avec 10, 0 euh, on a, euh, à droite. Voilà. Donc c'est 1 avec 10, 0. Je vais compter le nombre de 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Je vais donner par exemple 2. La valeur de 2, c'est 10. 2 en décimale égale 10 en binaire. 1 0 en binaire. Je vais ajouter un autre test et on arrête ici. Je vais donner euh, 9, donc 6001. Très bien. Donc euh, voilà, c'est un programme. Euh, L'idéal est très très simple, mais il faut, il faut savoir l'astuce euh, importante dans tout cet exercice. La, la partie la plus importante dans tout cet exercice, c'était euh, comment, la question majeure, c'était comment euh, traduire cette série de divisions. En algorithme, en utilisant la boucle tant que, sans déclarer les RI, sans déclarer les QI. J'espère bien que c'est clair. Euh, pro... C'est possible que la prochaine séquence vidéo, ça sera le même type de problème. On va, on va prendre le même problème et on va essayer de le généraliser, de telle sorte de convertir n'importe quel nombre décimal, n, vers n'importe quel système binaire de base B, tel que B supérieur ou égal à 2, quelle que soit B, la base 3, la base 4, etc. Euh, C'est très intéressant, l'idée elle est très très simple, vous pouvez essayer de le faire tout seul. Euh, donc j'espère bien que vous avez compris. S'il y a des questions, euh, n'hésitez pas à les laisser dans la partie commentaires.